Initiating system 1. System 1 loaded. Hey ho yo, c'est Gunshow. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de Fallout 4 58. Donc c'est parti, allons-y. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Maintenant que j'ai, comment dire, la capacité à ouvrir, l'arme qui est dans l'abri quoi. Voilà. Donc je vais aller voir ça. Normalement je peux y aller tranquillement. Hey Carbo, mange ça. Hey Carbo mort, rien. Tiens, du radoué. Comment les loot ont été remis ici aussi? Ah merde, j'ai pris un réveil. Ok. Bon. Descendons un petit peu en bas. Eh hey, mon toutou, tu vas voir ma demeure cryogénique. Ok. Ok, bon, on est descendu en bas. Tout est déjà à l'intérieur. Waouh. Tout le monde est mort. Tout le monde est mort. Oui, apparemment tout le monde est mort, oui. Effectivement, tout le monde est par terre, gisant sur le sol. Allez là, voilà. Tac, ok. Tout à fait, je regarde s'il y a des trucs intéressants à ramasser. Je sais pas ce qu'il y a, hein. Ça c'est là, il y a le jeu. Ah si, 10 mm. Ok, bon, c'est là l'arme. Bon. On va voir qu'est-ce que c'est comme arme. Aïe. Par contre, ça va pas pardonner là. Ouais. Voilà, et c'est le cri là au dos. C'est quoi ça? Cryo, ah c'est une arme cryogénique. Une arme cryogénique, il manquait plus que ça. Ok. Eh, je la prends moi, l'arme cryogénique, ouais. Je crois que je vais laisser là ou quoi? Je crois que c'est tout en fait qu'il y avait ici en fait. Après il y avait plus que dalle. Donc voilà, bon, j'ai l'arme cryogénique. Cryo, machin chouette. Ok. Ok, j'ai que ça comme balle, ok. Bon, c'est déjà ça. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai récupéré l'arme qu'on bave tous dessus au début. Et non, mon toutou! Ah. Ok. C'est fantastique. Je sais que normalement j'ai loupé des choses, mais on veut plus. Alors, voyons voir. Ok. Ok, on va aller là. Je sais pas où s'emmène ça. Est-ce que ça s'emmène dans un coin ici? Enfin, j'ai pas vraiment visité en fait tout autour de la base hein. On va faire ça. Peut-être des choses intéressantes. Il y a peut-être des choses intéressantes ouais. Thank you.
pouvais pas aller par là, ok. Ok. Cet endroit en fait je suis à la limite donc c'est peut-être pour ça. Il y a un bâtiment là. J'ai pas été encore ici. Ok c'est un OBS donc je peux l'ouvrir sans problème. Joli. Ok. Comme il reste quoi. C'est que dalle. Je sais pas de toute façon là si je peux pas aller plus loin. What the fuck? C'est quoi là-bas? Non, go. Go Kenny, go. Short de merde! Putain! Oh fuck you bitch! Oh! Oh my god! Bon, je retourne là, de toute façon j'ai rien perdu. Je crois que je vais. Et franchement, je vais éviter. Éviter d'y aller là-bas en fait. Là-bas c'est niet, j'y retourne pas. J'y retourne pas du tout. Peut-être récupérer, peut-être. Non, non, non. Bon, on s'en fout pour deux scotch. Hein. Je vais pas aller là-bas. Hein. Oh my god. Ouais, je vais pas aller dans ce machin. Hein. Me faire encore tuer par ce bestiole, mais je crois que c'est aléatoire donc j'aurais plus la même bestiole, je crois. Enfin, je pense. Mais niet. Ah, on va pas sauter. Hein. C'est où là? C'est où? Bon, apparemment, notre refroidisseur est utile sur certaines cibles, mais apparemment, ça l'a fait ni chauffer ni froid le truc là. Je vais aller au commissariat. Je crois que je vais aller direct. Commissariat, il est où? Ah, c'est là l'unité de reconnaissance. Ok, on va faire ça. Et après, on est recommercial. Commissariat. Je crois que je centre mes docks. Ah mais fuck. Q. J'en
pensé avoir exterminé toutes ces putains de gueules là. Bon, il faut que j'aille là-bas. Perdu. Bon, je me dirais, j'ai vers ce truc satellite là-bas. C'est pas là où je disais, il y avait une base aérienne que je verrai après et tout là. Ça on verra plus tard, je crois. Mais non, attendez, non, non, c'est la base où j'ai déjà visité. C'est où il y a les couilles qui sont sorties de. Je sais pas où là. Le caca là. Que mon cher Canigou a essayé de me faire trouver un truc, mais. Il a pas trouvé. Man. Oh. What? C'est quoi qui m'a attaqué là? J'ai rien compris à ma life là. Reptilon. Un hélicoptère. Je sais pas quoi là, moi, comment il s'appelle exactement. Des super mutants. C'est un peu le bordel ce coin. Je sais pas pour vous, mais ça pue. Ça pue, mais grave. Ok. Heureusement, j'ai une sauvegarde automatique ici. Bon, je crois qu'ils m'ont rien fait. Pour dire, mais ça pue le camembert là-bas. C'est
C'est pas idéal hein, franchement un snipe comme ça en plein jour. Allez, on se bouge! Je veux qu'on fouille cet endroit du sol au plafond! Couche panier, Master Guidi. Casti. Dire qu'elle a... Elle a du vécu. Normalement elle a déjà une énergie donc ça va. Ouais, tant que je mets pas l'énergie ça me va. Bon, elle est pas si top que ça parce qu'il manque des monstres mais... Dans l'ensemble, si ça peut sauvegarder... Je vais ramasser la face moyenne, je sais pas. Faire un petit sauvegarde hein. Voilà. Ok, c'est notre à se trouver. Alors. Oh. J'ai pas vu. Fuck. Non. What the fuck? Putain mais... you
Tiens, mange. Bingo. Oh, ça c'est trop bon ça. Ah ouais. Oh. Génial. Ouais. Couler. Oh merde. Tombé. Que des super mutants. Je sais même pas si j'ai un truc sur moi. Ah, je suis passé, ouais. Ok, bon. Techniquement, j'ai fini dans ce coin-là. Même pas ? Écoutez le moment du sacrifice, ok. Je crois que c'est dans l'hiver, alors. Message à l'attention de Robert Cooper. Ici Faris.
Ça fait 2 heures que le paladin est parti. Ma jambe. Je n'arrive pas à arrêter l'hémorragie. Là-bas. Il paraît que l'armée a déchargé la première cargaison de M42 ce matin. J'avais juste vu ces petits bijoux sur le papier. Alors le deuxième classe Bertram et moi, on est descendus en douce pour jeter un œil. Quand j'ai appris que les scientifiques travaillaient sur un lanceur d'armes atomiques portables, j'ai cru qu'ils étaient dingues. Mais apparemment, leur truc marche. Et maintenant que je l'ai vu de mes propres yeux, je me dis que ça peut suffire pour faire pencher la balance de notre côté. Vous imaginez la gueule des ennemis quand on nous larguera sur un Corage avec ses joujoux dans les mains? Ils ne comprendront même pas ce qui leur arrive. Intéressant. Ouais, on va essayer de trouver l'unité perdue là, en reconnaissance. Non, je vais essayer. C'était dingue. What? Eh, c'est pas le médecin. Docteur. Vous avez mal quelque part ou vous êtes juste là pour m'emmerder? Les deux. Il faudrait de quoi me soigner, en fait. J'ai des tonnes de steam. Ok, allez, bonne journée. Hop là. Ah, peut-être. Ok, niveau. Hey. Comme il a beaucoup d'argent, en fait, non, il a juste du soin, ça va être sur lui. Ok. Bonsoir. Allez, on y va. Tac, 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 tac. Rabiche. En tout cas, c'est dans le coin. À moins que c'est dans le bâtiment. Je crois que c'est dans le bâtiment. Hein.
bâtiment. On verra bien. Centre de recherche PEDEX. Alors, centre de MEDEX, enchanté. It's cool. Je suppose que c'est là l'accueil. On va voir sur ce PC, hein. Allez, la sécurité. Ok. Vraiment, il y a une alerte sécurité. Ça fonctionne pas, ok. Ok. La vis, je peux ouvrir. Joli. Ok, les soins, tac. Tel que. Merde. Grand chose, hein. Toc toc, enfin je sais pas si c'est vraiment ici hein, qu'il y a quelque chose d'intéressant. À part des médicaments, comme ça, ouais. D'accueil. Intéressant la goule. Tu m'intéresses.
qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ok. Ah, j'ai gagné un niveau? Ah, je l'ai même pas vu. Ça serait pas mal, voilà. Chef local en main, je pourrais construire des trucs de construction de. Enfin, on va dire pour les villes. Je sais pas si c'est dans cet endroit là. Sauvage, c'est cool, hein, quand même. Ok, téléphone. Y'a rien! C'est chelou. Ça pue la goule là. Ouais, ça pue la goule là. Voilà. Gypson, j'ai armé un attaque en corps à corps. Ouais. Elle est sous la goule. Elle est sérieuse, elle? Elle est sérieuse, la goule. Elle est vraiment sérieuse, là. En aucun cas, fuck. Shit. Non, il doit avoir un code quelque part. Hein.
trucs, je sais pas, ou... Il faut un mot de passe. Ah, il faut un mot de passe de Jacob, ok. Plus tard, ça. Parce que ça m'étonnerait que Jacob est dans le coin, enfin, je sais pas. Bon, ok. Jacob, je sais pas où t'es, mais je te trouverai un jour. Je te trouverai. Je te trouverai un jour. Donc voilà, donc c'était pas là. Ok. Et merci d'avoir vu ma vidéo sur Fallout 4, épisode 58. Donc suite à un petit souci technique, on va dire, d'enregistreur. Donc là je le fais en voix off. Donc à plus, je vous dis au prochain épisode. C'était Gancho, bye bye.